Et nous voilà donc pour le deuxième épisode de ce chapitre. Je ne sais pas son nom, on va dire, on va l'appeler le réservoir ou un truc comme ça. Ah, voilà un petit coffre. So, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Non. Non. Pas la créature. Je la sens là. Mais je la sens venir la créature. Là ce serait l'endroit parfait pour la mettre là. Un banc de petits enfoirés. Je sais que vous en avez mis une quelque part. La dernière valve elle est sûrement par là. Mais comment est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Ah si. Sûrement. Ça peut marcher. Eh. Eh. Ok. Voilà. C'est le brain ça. C'est le brain. La dernière fois que j'avais pris une pierre comme ça, ça avait pas du tout marché. Et quelquefois les pierres ça marche. Ok, donc là on a probablement vidé les goûts qui étaient dans l'autre salle. Donc c'est pas mal. On débloque une nouvelle salle, on avance bien. C'est cool. 1839. It is still early, and Alexander is busy preparing. I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orbs. Mais il se pose pas encore de questions quoi. Il voit qu'il se passe des trucs de ouf avec avec un espèce d'orbe. Mais ça l'inquiète pas, le gars. S'il vous plaît, pas la créature. Hop, elle est là. Non. C'est quoi ce bruit alors? C'est quoi ce bruit que j'entends depuis tout à l'heure? Ça vient de là, là. Ça vient de ce truc là. C'est horrible. Je sais pas ce que c'est, mais c'est insupportable. Ah fuck, je me suis gouré. Ah bah tiens. De l'amadou. Du bon amadou. L'amadou c'est complètement inutile pour moi. J'en ai 50. Je m'en bats les steaks. Allez. On retourne dans le réservoir. Oula. On va prendre l'échelle hein, parce que on prend très vite des dégâts de chute dans ce jeu. Alors on va jouer safe. Allez, ah nice. C'est bel et bien vidé. Oh merde. Ah ben merde. Ah bah je fais comment? Ah je fais comment du coup? Là, je vous avoue que ça m'emmerde là. Est-ce que je YOLO? Franchement, est-ce que je tente le YOLO? Vas-y, je tente. Putain, je vais mourir, je vais mourir. Ah, c'est bon, ça fait pas tant de dégâts en fait. Ah d'accord, je dois trouver l'antidote dont il parlait tout à l'heure. Faut suivre hein. Faut suivre dans ce jeu. Mais cet antidote, je le trouve où? Parce que là, j'ai fait le tour là. Et j'ai fait le tour du truc là. Je pense que l'antidote est là-dedans. Et donc faut que je trouve... Comment faire marcher ça? Je
Allez, on y retourne. Mal à la gorge. On y retourne. En espérant que cette fois je trouve cette putain de pièce. Ah mais... J'ai peut-être une idée. Je pense pas que ça va marcher, mais... On va tenter. Peut-être qu'il faut que je prenne une pièce de ça pour la mettre sur l'autre. Non, nul comme idée. En fait. Bon. Pas grave. Mais alors, où est cette putain de pièce? Je comprends même pas quelle combinaison il faut faire. Cette combinaison, je peux pas la faire. Oh! Si on compte bien, on a une liaison là avec ça, une liaison là avec ça, et une liaison là avec ça, même si ça fait le tour. Ça fait 1, 2, 3. Or, on a 3 pièces. Je suis un génie. J'ai compris. Ah mais non, attendez, c'est pas les mêmes trous? Si. Est-ce que c'est les mêmes trous au moins? Ouais, c'est les mêmes trous. Donc non, alors, toi tu... Eh hey, oh. Tu te calmes? Calme? Déjà? Ok. On commence par ça. Tu commences par te calmer, parce que moi je te maltraite, il n'y a aucun problème. Toi tu tournes. Vous avez compris ou pas mon idée? En fait, pour faire le schéma qu'on a en face, il suffit d'avoir 3 pièces. Mais... Et ça c'est... Ouais, ça c'est la merde, s'il veut pas bien se mettre... Comment on va faire? La merde. Pourquoi il veut pas bien se mettre? Ah non, il y a rien à faire, il veut pas bien se mettre. Peut-être que je dois mettre celui-là d'abord. Ah voilà. Pourquoi il n'y a pas eu de bruit ou de machin? C'est bon logiquement. C'est bon ce que j'ai fait. Hein. On est d'accord que le schéma est le même. Bon. On va dire que c'est ça. On va retourner voir le levier. Moi je pense que c'est ça. Là tu vois, je sens bien la bestiole arriver là. Dans un moment où tu te méfies pas là, t'es en train de réfléchir à ton truc. Là il pourrait en mettre un là. Mais je sais même pas s'il y en a une dans ce chapitre. Hein. C'est ça Amnesia, c'est... Il vous fout un stress constant mais... Le mec est pas tout le temps là en fait. Bah ben merde, c'est pas ça. Ah oh, bah là je comprends pas par contre. J'ai fait exactement ce qu'il fallait. J'ai fait le bon schéma et tout. Oh putain. Putain, je commence vraiment à être fatigué. Hein. Là, j'ai du mal. Si j'ai fait le même schéma, c'est pas pour débloquer le levier. C'est pour débloquer ça. Bah. Mais. Mais what? Ça commence à m'énerver là. Dites-moi que les leviers sont débloqués au moins parce que là. Ça commence à m'énerver. Je comprends pas. J'ai tout essayé, mais là. Je comprends pas. Bizarre ce petit bruit qu'il y a à chaque... Ah.
Vous entendez à chaque fois qu'on a un petit bruit? Et bah voilà! On a fait quelque chose là, non? Et bah voilà! Là, on a fait quelque chose là. Il y avait un petit bruit en fait qui permettait de. Permettait de rien en fait! Ça ne servait à rien! T'as un qui était content de ce que j'avais fait là? Nul. Bon. On va essayer de se rattraper un peu. Maintenant, on va tenter les leviers, mais je pense pas que ça marche. Marche pas évidemment. Ah pourtant là c'est bon. Là. Alors il est où le problème? Ah mais tout est bloqué aussi. Ah non, ça c'est bon, c'est activé aussi. Ah d'accord, quand c'est bloqué, ça veut dire que c'est bon. Bah donc logiquement, les 4 sont bons. Est-ce que ceux-là sont bloqués? Bah donc tout est bon. Où est le problème? Expliquez-moi où est le problème. Parce que là, logiquement... Ok, je sais sûrement... Ah. Eh hey, hey. Il faut sûrement remonter celui-là pour pouvoir descendre celui-ci. Parce que ça marche avec un système de contrepoids en fait. Allez, s'il te plaît, marche. Le sang de tes morts, le Joe. Le sang de leur mort, le Joe. Bon, on sait d'où vient le problème, hein, de toute façon. Ça vient d'au fond. C'est sûr. Ça vient des tuyaux au fond, mais comment le régler ce problème? Vous cherchez, je la vois pas cette putain de pièce. Hein. Bon, ils sont pas bien là mes tuyaux? Expliquez-moi, c'est quoi le problème avec mes tuyaux? Ah, attendez, on a un truc là. Wait. Non. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. C'est exactement ça, alors où est le problème? Ouais, essayer d'autres combinaisons. Là au milieu. Ah ouais, peut-être qu'il faut simplement essayer plein de combinaisons, hein, pourquoi pas. Celui-là, je peux le mettre nulle part, donc c'est sûrement pas ça. Et non, celui-là, je peux le mettre nulle part, donc ça doit pas être ça. On va essayer des combinaisons. Ah, et voilà! C'est qui le papa? J'ai juste mis une demi-heure à faire ça!
Mais à part ça... Really, nigga? Je me casse. Non, sérieux! Y'a que des merdes dans le jeu. Il vient de se péter, le levier. Eh, hey, mais... J'ai une solution. Et ouais, les mecs. Et ouais, les mecs. Ne sous-estimez pas mon brain. Ok. Bah putain, j'ai mis du temps, hein. J'ai mis du temps, mais on y est enfin. Fallait pas faire le même qu'en face, en fait. Fallait juste tester des combinaisons. Et là, si ça marche pas, par contre, je te... Ah. Tu veux bien descendre encore un petit peu, s'il te plaît, je suis là. Non, mais t'es sérieux, mec? Oh, j'ai compris. Attendez. À chaque fois, je m'explique. J'ai compris, les amis. Regardez. Regardez comme je suis un pro gamer. Mais... Moi, regarder des solutions sur internet? Mais... Non, non, non. Comment ça? Moi? Non. Moi, je vous avoue que là, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé. Et j'ai regardé sur internet vite fait. Bon, voilà. Voilà, ça arrive, hein. Faites pas comme si vous l'aviez jamais fait. Ça arrive. Bon. Ah. Le voilà, l'endroit qu'on cherchait. L'endroit bien flippant où il y a le monstre. Voilà. On y est. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor to the morgue. Are there more dead men there? Ah putain, on est dans une morgue. Come, let's get going. Oh là, c'est pire que la prison là, je pense. Ouf. Pour ceux qui se disaient, oh, il se passe rien dans cet épisode, juste des énigmes. C'est pas marrant. Oh, je pense que vous allez être servi là. Là, je suis quasiment sûr que vous allez être servi là. Ok, donc là, le vaccin est dans la morgue et faut le trouver. C'est simple. Mon dieu. Ah, mon dieu. Oh, regardez-moi ça. Quoi? Le cadavre ne peut pas dater de plus d'un jour? Wow. Seulement cache. Ça, c'est une très 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 mauvaise nouvelle. C'est une très très mauvaise nouvelle. Oh, j'en ai marre de lire. Je veux de l'action. Je veux de l'action. Et je sais que vous aussi. Ah là, je pense qu'il va être bien flippant le... Ah, je pense que la morgue... La morgue de mort. Ah, je fais toujours ma petite blague de merde pendant les... À chaque épisode, vous y aurez droit. Ah merde, est-ce que c'est contaminé ici? Ah mon dieu, c'est horrible. Putain, il faut vite que je sorte le... Que je trouve le vaccin et que je sorte de cet endroit parce que là... Là, c'est horrible là. Et je sais que ça va me tomber dessus, donc je commence à flipper parce que... Vous les entendez? Les chaînes là, vous l'entendez, le bruit de chaîne? Je sais parfaitement que ça va me tomber sur la gueule.
Et j'aime pas du tout ça. Ok, on va servir un peu de la madou parce que là. Juste ici. Ça servait à rien. En fait, je sais pas si c'est le monstre qui va me tomber dessus ou un truc encore pire. C'est ça qui m'emmerde. Oula. Ah. Un tube de cuivre. Oula. Horrible cet endroit. Donc là, si on me tombe dessus, je suis bloqué quoi. Alors là, je fais quoi, à votre avis? Là, j'ai rien. Là. J'ai un tube de cuivre. J'ai un pauvre tube de cuivre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Il y a rien ici, il y a quasiment rien. Sûrement un truc à faire dans cette pièce là. Aïe, horrible ce bruit. De cuivre fin. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va rien faire avec ça. J'entends toujours les bruits de chaînes qui sont assez horribles. Il y a des cailloux mais on peut rien faire avec probablement. Ah, attendez. Il y a quelque chose qui manque. Oh non! Oh non! Oh, je savais qu'il fallait faire un truc avec le cadavre. Mais j'espérais que non. Mais pourquoi tu lui as percé la tête? T'as cassé ton outil en plus! Pourquoi tu... à injecter le sang. Oh putain, c'est trash. Non. Oh non. Oh la vache. Putain. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, ça y est, j'ai l'antidote en moi. Ce mec l'avait en lui. Je lui ai percé la tête. Je lui ai mis un tube creux dans la tête. Et j'ai mis une pique au bout de ce tube pour que je me l'enfonce dans le bras, enfin dans le corps, et pour que son sang vienne dans mon corps et que j'ai l'antidote en moi. Donc là, je viens de m'injecter son sang dans mon corps. Oh, 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 putain.
Alors toi? Ah, j'ai mis un peu de temps à réagir, mais là il m'a tué là. Surprise, motherfucker! Comment j'ai pu ne pas m'y attendre? Là, c'était l'évidence même là. Ah, il m'a tué. Oh putain de merde. Est-ce que je tente le rush de l'infini, les gars? Can I do it? Can I do it? Je vais me faire tuer. Oh la violence. Je sais même pas si c'est le mec normal parce que là, il faisait des bruits très bizarres là. Ok, on n'a pas tenté le rush de l'infini, mais je pense que c'est plutôt une bonne chose. Le voilà, le screamer de l'épisode. Là, c'est LE screamer de l'épisode, là. Vous voyez, c'est ça, Amnesia. C'est ça qui est énorme dans ce jeu. Pendant tout le chapitre, il n'y avait rien. Rien. Et là, pendant tout le truc de la morgue, ils m'ont fait flipper et BAM! Ils attendent le bon moment. Tu t'y attends pas et là, BAM! Ils te défoncent. Et là, waouh, propre. Là, j'ai kiffé, là, j'ai kiffé. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de l'épisode. Il faut terminer ce chapitre. Donc maintenant qu'on a l'antidote en nous, on va pouvoir aller en bas. Et ça ne fait plus de dégâts, nickel. Et on va dans les égouts. Où j'ai peur qu'il y ait la créature dans l'eau. Et là, ce serait... La muerte.